Hello tout le monde! Donc, j'ai deux super colis aujourd'hui à ouvrir avec vous. Je vais commencer par celui-là ici, le plus gros. Je sais quoi les deux, je suis allée confirmer là, mes réceptions sur AliExpress. C'est des choses que j'ai achetées, là, c'est sur Ali. Écoutez, ça fait un méga bout que j'attends ça, ça fait vraiment un bon moment. Donc, le premier article. Tadam! Mon super classeur. J'ai pas payé ça cher. J'ai payé ça quelques dollars. Je vais l'ouvrir. Je vais vous le montrer. Ça va aller mieux. Bon, je suis désolée pour le bruit de plastique. Il m'a pas l'air cassé. OK. C'est ce que j'avais peur des fois avec le transport. Là, hein? On sait jamais. Parce que bon, ça fait. Wouhou! Oh, c'est pas pire, ça va bien. Ça se clipse comme tout un dans l'autre. Donc, exemple, en acheter d'autres, là. Tu sais, le fond du premier. Dans le fond, il y a juste un couvercle sur le dessus avec la poignée. Le restant va tout s'emboîter un par-dessus l'autre. Donc, j'ai le fond ici, exemple, là, regardez, là. Ça vient se clipser sur l'autre. Donc, c'est juste comme deux plateaux comme ça, de 6. Je mets un par-dessus l'autre. Le fond de un devient le couvert de l'autre. Donc, ça s'emboîte tout comme ça, un par-dessus l'autre. Et voilà. Écoutez, j'ai acheté ça tout simplement parce que ça fait un bon bout de ça que je vous ai présenté, là, ce que j'avais acheté sur Amazon. Mon kit ici, là, d'argile de polymère. Et puis, le... Il était cassé, donc c'est ça, j'étais vraiment pas contente, sauf que j'ai remarqué comment c'était fait. Ici, j'ai la même petite clips que les autres. Donc, gagez-vous que si j'arrive, que je mets ça là-dessus ici, ça fonctionne. Tadam! Et voilà, j'ai un nouveau couvercle, cette fois-ci, qui n'est pas cassé. Comme celui-là ici, là, regardez, là, il était cassé là, à deux endroits. Donc, l'argile aurait séché. Et je suis contente, ça fonctionne! C'est en plein ce que je voulais. Je voulais que mon argile y aille en dessous. Donc, ce que j'avais vu sur Internet, c'est avéré juste. Là, je me disais, bon, si ça fonctionne, ça fonctionne. Sinon, ben, je me sers des trois ici et puis je disperserai mon argile dedans. Donc là, je vais pouvoir mettre ça aux poubelles. Voilà, c'est fait de ce pas. J'ai de quoi classer s'il me reste de la pâte Fimo ou peu importe, des brillants, n'importe quoi. Et puis... J'ai quelque chose de fermé, étanche, pour mettre mon argile de polymère ici, qui n'a aucune séparation dedans. OK, oui, les autres, ils ont des séparations. Là, il y a 6 contenants. Mais regardez, à l'intérieur, ici, là, ça s'enlève au complet. Donc, si je veux, j'enlève tout l'intérieur au complet. Regardez. Je défais ça, je le défais en le nombre que je veux. Si je veux le séparer en deux, je le sépare en deux. Il est séparé en deux. Ça, j'ai juste à enlever là, ce qu'il y a ici à l'intérieur, comme ça. Et puis, je tombe avec un récipient. Là, c'est vraiment très pratique. Là. Quand j'avais vu ça, là, j'espérais que ce soit comme que j'avais vu. Écoutez, c'est exactement ce que j'ai vu. C'est vraiment ça. J'avais vu que ça s'enlevait et tout, là, que je pouvais faire là, ce que je voulais avec. C'est ce que je recherchais, moi. C'était vraiment ça, là... Je voulais avoir quelque chose que, tu sais, si ça me tente d'avoir une moitié séparée, une moitié avec rien, ou, tu sais, de l'adapter à mon besoin. C'est ce que je voulais. Et puis, c'est ce que j'ai trouvé. Okay, je vais mettre ça ici, comme ça. Qui ne veut pas descendre jusqu'en bas. Pourquoi on ne le sait pas? Est-ce que c'est parce que, bon, OK. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre mon erreur. Il y a un sens pour le mettre. Ah ah! Parfait. Celui-là, il est correct. Ensuite, celui-là, il va comme ça. Oups! Ce sera pas long. Je me bats avec ça pour le rentrer à sa place. Bon. Parfait. Merveilleux! Donc, je suis super contente. C'est... en plein ce que je voulais. C'est ce que j'espérais que ça fasse. Et puis, ça fonctionne. Donc, voilà. Merci Amazon de m'avoir fourni quelque chose de cassé. Maintenant, je me suis vengée. J'en ai acheté un sur AliExpress.
Donc, c'était pas plus long que ça. Je voulais juste vous présenter là, mon petit coffre de rangement parce que, bon, je le trouve vraiment pratique. Et puis, c'est ça. Des fois, ça peut donner des idées à certaines là, qui font du bricolage et tout. Ça peut être quand même quelque chose de bien. Donc, tu sais, ça prend pas trop de place non plus. Puis, il rentre quand même beaucoup de choses dedans. Là. Des fois, là, des paillettes, toutes sortes de trucs. Là. Ça peut être bien. Ça peut servir là, comme rangement, autant pour ceux qui font du scratch, du scrapbook. T'sais, ça peut servir, le diamond painting, ça peut servir pour plein de choses. Faites du bricolage, n'importe quoi. C'est merveilleux. Aussi avec les enfants, des fois, hein, pour serrer des petites choses. Vu que ça se clipse tout un dans l'autre, vous pouvez en acheter deux, trois. Il se faisait en blanc, en rose et puis en bleu. C'était les trois options. Là. Ben, t'sais, blanc là, comme ça, le transparent. Moi, j'ai pris transparent parce que là, bon, je me disais que la couleur, des fois, si je veux voir c'est quelle couleur, qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est ça, j'aimais mieux y aller transparent. Et puis aussi parce que, bon, mon autre que j'avais ici était transparent. Donc, je me disais, si je veux le mettre avec, ça va faire dur si j'en ai un rose avec un compartiment transparent. Et je vous dis, hein, fallait que ça fitte. Donc, est venu le moment d'ouvrir mon deuxième colis. Ça a été quand même rapide. Écoutez, ça fait pas tant longtemps que je l'ai commandé. Ça fait environ, je vous dirais, peut-être un mois. Donc, c'est la première fois là, que je reçois quelque chose en aussi peu de temps sur AliExpress. Je suis vraiment contente parce que là, mes autres choses, là, oh my God! Ça prend du temps, là, ça fait 2 mois que j'attends certains trucs, là, c'est assez incroyable. Donc, je suis vraiment contente, celui-là, il est arrivé vite. C'est pourquoi, là, que je vais vous donner, là, je suis allée regarder, là, avant de commencer la vidéo, le nom du vendeur sur AliExpress, parce que c'est pas un vendeur commun, style Home Fun et... OK, donc, c'est ça, c'est pas un vendeur commun, style Home Fun... Huacan, Evermoment, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent là. je l'ai écrit sur un papier. C'est YI espace drill espace handmade espace store. Donc YI majuscule drill handmade store. Donc c'est vraiment là. Je vais vous l'écrire dans la description du vidéo, mais c'est ça. C'est vraiment là un vendeur quelconque là. Moi, je dis un vendeur bâtard. Donc, je vous montre ma petite merveille. Écoutez, ça faisait un petit bout que je le regardais, qu'il m'appelait, que, tu sais, je trouvais que, je sais pas, je me disais, oh, me semble, il est cute. J'ai vu passer une publication il y a un certain moment de quelqu'un qui l'avait réalisé, puis c'est vraiment ça qui a fait, bon, OK, c'est beau, je le commande, je veux le faire. Donc, je vous montre ça sans plus attendre. Avec ma super exacto, je suis venue comme ouvrir ici là, mon affaire de diamant. J'ai pas ouvert les petits sachets de diamant. Mais en donnant juste mon petit coup sur le sac, j'ai fait attention, je suis venue perforer ça. Donc, je vais falloir que je redouble d'attention les prochaines fois aussi. Écoutez, à première vue, c'est merveilleux que ça soit dans ça. OK, on s'entend-tu? C'est gonflé dur, ça. C'est pratiquement, là... Hey, regardez, là, je rentre ma main dedans, là. C'est... Donc, méga bonne protection. À date, j'ai eu aucun diamond painting qui est arrivé dans quelque chose semblable à ça. C'est Home Fun, c'est des boîtes de carton. Huacan, il était dans mon swap, donc je le sais pas. Mais ça, en tout cas, là, ça me ravit vraiment beaucoup. Ça me rassure parce que quand j'ai vu ça, j'ai touché le paquet, je me suis dit, oh, c'est bien protégé, donc il devrait être en bon état. Vérifions voir si c'est le cas. Soit dit en passant, ça, je crois que je vais le garder. S'il se dégonfle pas, là, en pas longtemps, s'il reste quand même gonflé un certain temps, je pense que ça peut-être être pratique pour, des fois, l'envoyer quelque chose par la poste. Donc, je vais garder ça de côté. Bon, après, souvent, après un certain moment, là, ça devient... Ça se dégonfle quand même un petit peu. Donc, voici ma super toile. C'est vraiment, là, elle n'est pas large, hein? Elle est vraiment, là, elle est 20 cm de large. Puis, la longueur est 60 cm. Donc, elle est vraiment faite sur le long. Ensuite, combien est-ce que j'ai de couleurs? Je ne sais pas, je vais devoir les compter.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. J'ai 40 couleurs. Exactement. Wow! À date, c'est celui que j'en ai eu le plus. Parce que j'ai fait un DP avec 30 couleurs. Là, c'est celui que j'ai le plus de couleurs différentes. OK, on ne voit pas le nom du vendeur. Là, c'est des caractères chinois. Mais c'est ça. C'est vraiment YI majuscule. Drill and Made Store. Je trouvais que c'était quand même abordable, là, la toile. Là, ça valait la peine. Là. Donc, je vais regarder. Bon, regardez le toolkit qui m'envoie. Avec. Donc, j'ai deux crayons. En partant, c'est bien. Parce que la plupart, c'est un crayon, un plateau et de la colle. J'ai par contre le fameux petit plateau blanc là, standard. C'est sûr que ce plateau-là est 100 fois mieux que le petit plateau vert qui donne avec certains Diamond Painting. Écoutez, c'est quand même une coche au-dessus. Mais c'est quand même assez standard. Comparé, exemple, à Huacan là, qui donne un méga gros plateau. Celui-là, tu sais, c'est ordinaire. Mais le petit bec verseur, écoutez, on l'apprécie. Ensuite, un petit crayon quand même assez standard. J'aime bien le fait que les deux crayons aient des embouts. Parce que moi, avec Everyday Deal, c'est un crayon stock comme ça que j'ai. J'ai même pas d'embout, j'ai pas rien. Puis j'ai un petit plateau vert. T'sais, c'est assez... c'est stock, comme que je dis. Donc là, c'est vraiment bien. D'après moi, c'est un embout de 8, celui-là, ici. Parce que si vous regardez, là, il est assez large là, dans ma main. Puis on a l'embout de 3 ici, à côté. Donc, c'est pas tout à fait la moitié. Donc, d'après moi, c'est ça. C'est un embout là, de 8. C'est ça, c'est bien aussi parce que bon, ils mettent le crayon là, transparent avec des petits brillants argent. Souvent, c'est juste le petit stylet rose standard. Donc, c'est cute. C'est le fun qu'ils m'en mettent deux. Je suis contente. Ils n'ont pas juste comme garoché un deuxième embout dans le sac là, avec l'autre crayon. Donc, ils ont vraiment fourni deux crayons. C'est quand même pas pire. Le prix, ça avait vraiment de l'allure avec la grandeur là. Je trouvais que c'était bien. C'était dans les mêmes prix que j'avais payé. Là, il y a un petit moment, HomeFun avait fait quand même une bonne vente. Là, et puis, plein de gens avaient commandé full de gorgeous et tout. Là. Il avait tombé là, vraiment en promo qu'un 30 par 40, ça valait comme ça coûte à peu près 10$. Donc, ça valait vraiment la peine parce que c'est une coche au-dessus et tout. Je me souviens, là, j'ai profité de cette promo-là. J'ai acheté quelques toiles qui ne sont pas encore rentrées. Puis, quand j'ai regardé le prix de celle-là, ça m'a coûté, je crois, 12 et quelque chose, comme 13$ peut-être pour la toile. Donc, 13$, écoutez, c'est pas tout à fait 10€. Donc, c'est quand même vraiment bien. À date, là, pour ce que j'ai, là, de ce que je vois, là, j'ai même les petits sachets refermables fournis avec. Donc, ça aussi, c'est le fun, là, parce que c'est pas tous les petits kits de départ qui en ont. Oh, que non! Ça, je peux vous le dire. Ils se font rares. J'ai été obligée d'en acheter beaucoup, moi, les petits sachets. Puis la colle, c'est intéressant. Habituellement, c'est la moitié de ça. C'est un petit carré. Là, ils mettent comme un double carré. Oui, la toile est plus grande. Donc, ils vont sûrement aussi en conséquence de ça. Mais bon, j'ai déjà vu une grande toile avec un petit carré de colle. C'est déjà arrivé. Bon. Ensuite, je vais juste ouvrir un peu, faire un petit peu plus de clarté pour être sûr que vous voyez bien. Là, je suis en train de me demander, est-ce que je vous dévoile la toile ou bien je regarde si j'ai toutes mes couleurs? Je vais vous dévoiler la toile, là. Hein? Je vous ai assez fait attendre. C'est le fun, c'est seulement une bande, donc je suis pas... Oh, que c'est bien écrit, que c'est bien imprimé. Wow! Les symboles sont vraiment... On les voit bien. OK, merveilleux. Ça, j'avais quand même peur. La qualité de la toile, c'est quand même assez standard, je vous dirais. Là, ça ressemble à ce qu'on a habituellement aussi. Là. Une petite coche quand même au-dessus, là, ça ressemble plus vraiment là, à une toile là, que ce que j'ai à Everyday Deal. Des fois, là, c'est un petit peu plus cheap que ça. Mais bon, c'est quand même assez standard. C'est pas autant épais là, que la Huacan ou la HomeFun. Là. Malgré que, bon... C'est quand même pas pire. La colle, on n'a pas le nom sur le liner de colle, donc je ne sais pas si c'est de la bonne colle ou quoi. Ma première vue comme ça, il n'y a pas d'endroit où je vois que la colle, exemple, n'a pas bien adhéré. Ça colle bien. On entend quand même bien le son. Va rester à voir lorsque je vais placer des diamants. S'il faut que j'aille en bouger un petit peu. Là, à ce moment-là,
C'est là que je vais voir si c'est vraiment de la bonne colle ou si c'est quand même pas pire. Est-ce que vous la reconnaissez? Bon, je ne la lèverai pas plus que ça. Et oui, dans le haut, là, il n'y a pas grand-chose. Donc, tadam! Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est ma petite bonne femme qui prend sa douche. Je vais essayer là, de me lever, là, de vous montrer un petit peu mieux. Parce que là, c'est quand même dur. Là. Donc, vous voyez, là, c'est ça. C'est ma petite bonne femme qui prend sa douche. J'ai vraiment craqué quand je l'ai vue. Je la trouvais vraiment, vraiment très jolie. Donc, c'est quand même un bon projet aussi. Parce que même si elle a juste 20 cm là, de large, là, elle est quand même assez longue. Donc, ça va être quand même là, quelque chose. Et qu'elle vienne de passer proche de faire une gaffe, elle. Mini bâtard. Elle, là. Ah, que c'est le fun d'avoir des chats. Prochaine fois, note à moi-même, fermez ma porte quand je décolle une toile. Et que ça vienne passer proche, j'ai comme eu peur, je suis là, non, elle va pas mettre sa patte dessus. Petite maudite. Bon. Elle, là. Bien chaud et couché, tout paisiblement sur le divan. Hein? Il laisse maman faire ses affaires tranquilles. Mais non, Minnie, elle. C'est Minnie. Hein, Minnie? Et sur le bord de la fenêtre, le pado branlé de la queue, là, elle doit faire tac, 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 tac. Elle ne doit pas être contente. Elle sait que je parle d'elle. À regarder la toile qui était tout pliée aussi, j'étais comme pratiquement certaine d'avoir des rivières dedans. J'étais là, ah, ça va être le fun, ça va être beau. Il n'y a rien du tout. La toile est numéro 1. Écoutez, il n'y a aucune rivière, il n'y a pas rien. Donc, c'était vraiment, vraiment bien protégé. Wow! Merveilleux! Je vais ma super petite palette ici. Hein, je vais tenter quand même un peu de la rendre plus droite. Mais ces toiles-là, c'est tellement moins compliqué que les toiles là, avec des pellicules transparentes. Là. Les autres, c'est pas mal plus dur. Ça prend vraiment du poids dessus. Là. Toutes les toiles que j'ai achetées à Video Deal, là, ça prend du poids sur la toile pour qu'elle vienne belle. On a beau décoller et recoller, ça fonctionne pas. C'est pas comme ces toiles-là. Là. Vraiment, avec un liner comme ça, c'est vraiment pas pareil. Le fait que le liner n'est pas une pellicule de plastique, que c'est comme rigide vu que c'est en papier. Ça, on regarde, on fait ça. Là. Le plastique, je le lève, c'est mou. Donc, c'est dur de la rendre rigide, même si on décolle et puis qu'on est là, puis qu'on essaie que ça soit droit. C'est vraiment pas pareil. Les toiles avec qu'on voit pas au travers, avec des pellicules comme ça, avec des liners, comme j'appelle, là, c'est vraiment... c'est les toiles là, qui se mettent le plus droit facilement, si on veut. Les autres toiles, exemple, que tu la déroules, tu la vérifies, il faut quand même que tu attendes là, un petit bout de temps avant de pouvoir la prendre. Ça prend au moins 3 jours avec du poids dessus pour l'aplatir. Sinon, t'as beau la faire, elle va rester avec des. Elle va rester un peu vaguée avec certains plis. Tandis que celle-là, exemple, je voudrais la commencer là, puis je me la claque toute en 2 jours, tu sais, elle va tomber droite. Donc, ça, c'est un point positif que je trouve aussi. Avec les toiles là, d'AliExpress là, et des toiles personnalisées. Là. J'aime vraiment là, avoir un liner comme ça. Là, écoutez, c'est sûr que bon, j'aime beaucoup Everyday Deal quand même. J'ai encore full de toiles de eux et tout, je vais les faire. Mais à l'avenir, là, mes préférences là, lorsque je vais acheter des toiles, là, ça risque peut-être d'aller plus avec AliExpress. Vu que j'en ai beaucoup en banque et tout. Ça ne me dérangera pas d'attendre. Il y en a beaucoup que bon, ils n'ont plus rien à la maison. Donc là, ils se rachètent une nouvelle toile parce qu'ils l'ont fini avant qu'ils pensaient. T'sais. Puis là, à ce moment-là, là, tu tombes que tu n'as plus de diamond painting. Moi, c'est ça, je n'ai pas ce problème-là. J'en ai quand même beaucoup des diamond painting, donc j'en manquerai pas. Donc, je peux me permettre d'attendre. Des fois aussi, là. Si vous voulez aussi là, à la maison, là, si vous êtes intéressé des fois, là. C'est ça. Peut-être que ça vaut la peine d'attendre un petit peu. Là. On va aller chercher quelque chose d'un petit peu plus de qualité. Un petit peu mieux.
Donc, le décompte. Voyons voir. Voyons voir si j'ai toutes mes couleurs. J'ai hâte de voir ça. Bon. Ok, elle va tomber sur moi. Donc, voyons voir. J'ai les couleurs ici. La petite feuille, il y a une étampe dessus, donc je présume que ça avait été vérifié. Je vais quand même sortir mon petit crayon de plomb et puis je vais mettre, là, comme à l'habitude, un petit point à côté des couleurs lorsque je vais les avoir vérifiées. Être sûr que j'ai toutes mes couleurs. Donc, ça, je présume que c'est 159. C'est tellement bien identifié, c'est tellement bien étampé. Tu sais, il est à moitié là, puis à moitié là. Bon. Donc, 159 une fois. 996 ou 966, ouais, je pense que c'est plus 966 parce que j'ai pas de 996. Une fois. 351, une fois. 225, 7 fois. 352 trois fois. 165 et puis 161. Donc 161, 165 une fois. 37, 12 une fois. 37, 26 trois fois. 819 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 10 fois. Donc 819 10 fois. C'était la couleur que j'ai le plus de petits sachets. 33, 41 4 fois. Donc 33, 41 2, 3, 4 33, 41. Est-ce qu'il m'en manque un ou il est en quelque part? Bon, je vais le mettre de côté parce que je suis supposée d'en avoir 5 et puis j'en ai 4. Ça commence bien. 33, 41, 10, 5 et puis j'en ai 4. Je vais le mettre de côté, je vais voir des fois s'il n'est pas attaché après un autre. Là. 33, 40, il y en a 2. 33, 40, il y en a 2. 722, 6 fois. 921, 2 fois. 30, 52, 33, 28. 30, 52, 33, 28. 33, 46 et puis 33, 48. 33, 46, 33, 48. Bon, 452. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Le 452, merveilleux. 402, une fois. 353, 3 fois. 844, 4 fois. 964, 2 fois. 30, 41, 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5 fois le 30, 42. Ensuite, 919, 3 fois. 922, une fois. �
38, 61, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. 38, 61, 6 fois. Une fois. Ensuite, 842, 3 fois. 5 fois le 37, 43. 451, 2 fois. 151, 2 fois. 37, 78, 3 fois. 38, 24, 4 fois. 470, 1 fois. 647, 2 fois. 721, donc 647, 2 fois. 721, 1 fois. 37, 76, 1 fois. 37, 27, 5 fois. 37, 27, 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ensuite, 33, 41. Il m'en manque vraiment un. Parce que mon 967, je l'ai 3 fois ici. 67, 3 fois. Si je regarde, j'ai vraiment toutes mes couleurs. Donc, si je regarde, j'ai toutes mes couleurs. Il manque vraiment le sachet. C'est pas tombé par terre. Non, c'est pas dans l'emballage. Donc, il manque un petit sac de la couleur 33-41. Je vais voir. Je vais me croiser les doigts. Peut-être que j'en aurai pas besoin. Sinon, je vais leur écrire. Parce que bon, là, je ferai pas la toile tout de suite. Je vais leur écrire quand même qu'il manque un sachet de cette couleur-là. C'est sûr que j'écris au vendeur là, ce soir. Je vais lui mentionner. Là. Et puis, je vais voir qu'est-ce qu'il va faire. S'il va m'en envoyer un ou quoi. L'autre fois, là, sur HomeFun, il me manquait mes sachets de blanc. Il me manquait la couleur blanc. J'écris au vendeur. Moins de 24 heures après, le vendeur m'avait répondu. Et puis, il me demandait si j'avais besoin de faire un autre achat ou quoi que ce soit pour me l'envoyer en même temps. J'ai dit que non. Pour le moment, je n'avais pas besoin. Donc, tout de suite le lendemain, il m'a posté là, mes diamants manquants. Il m'a envoyé un numéro de tracking et tout. Mini, le host. La communication a vraiment été numéro un avec HomeFun. Donc, je vais voir avec ce vendeur-là ici. Je vais lui écrire un message. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, bon, c'est ça. Il manque un petit sachet et puis des carrés. J'en ai pas de cette couleur-là. Donc, je pourrais pas en prendre dans un autre ou quoi que ce soit. Là. À moins que la couleur 33-41. Je vais juste regarder quelque chose. Non, je n'ai pas cette couleur-là. L'instant, je vais faire une petite vérification. Non, c'est ça. Je n'ai pas cette couleur-là en carré. Donc, j'aurai pas le choix. Là. Je vais devoir leur écrire parce que, bon... Là, habituellement, c'est 200 par petit sac. Donc, me semble que c'est 200 par petit sac, là. Fait que, tu sais, si je suis supposée d'avoir 5 sacs, je serais supposée comme d'en avoir 1000 diamants. Là, j'en aurais comme 800, exemple. Ça m'en prend 857. Donc, j'en manquerais vraiment. C'est ça, je pense pas qu'il y en ait assez là. S'il manque un sac là, d'après moi, c'est ça, je vais en manquer pour ma toile. Donc c'est ça, je vais vraiment. Bon, comme d'habitude, j'ai manqué de batterie. Donc c'est ça là, que je disais, je vais vraiment leur écrire parce que j'ai l'impression que en ayant un de moins, je suis sûre pas mal que je vais en manquer. T'sais, c'est pas pour rien qu'ils en mettent autant. S'ils me disent que j'ai besoin de 5 sachets, je crois pas être capable avec 4. Donc je vais me laisser ça de côté, je vais leur écrire et puis je vous en reparlerai. Lorsque j'aurai une réponse de leur part, en même temps, je vais pouvoir vous dire si côté communication et tout avec le vendeur, ça va bien. Hein? Je vais le découvrir là, prochainement parce que bon, c'est sûr qu'il va falloir qu'il me renvoie là, ma couleur.
J'espère que ça va quand même aller vite. Parce que bon, ça a quand même été vite que je reçoive la toile. Ça n'a pas pris tant de temps que ça. Donc, je me croise les doigts que ça soit autant rapide. Si c'est rapide comme ça, ben, je vais pouvoir la commencer bientôt. Mais anyway, je suis pas à court de toile. Je suis pas à court d'ouvrage. J'ai de quoi m'occuper amplement. C'est pour ça que, tu sais, j'en fais pas tant de cas que ça. Là. Ça me stresse pas vraiment là, qu'il me manque un petit sachet de couleur. C'est des choses qui arrivent à un moment donné. C'est sûr que, bon, c'est supposé d'être regardé, revérifié par des humains. Donc, c'est pas fait tout par des machines et tout. Je serais supposé d'avoir peut-être un petit peu moins d'erreurs à ce moment-là, mais quand même. Hein, des fois, ça a été checké sur la fin d'un corps de travail. Hein, on est toutes pareilles. On est tanné, on a hâte d'arriver à la maison. Donc, c'est ça. Je m'en fais pas avec ça. Écoutez, puis s'il y a quoi que ce soit par après, j'en rachèterai s'il m'en manque pour le faire. Ou, tu sais, c'est pas une toile que je veux donner en cadeau ou que j'attends pour une occasion ou, tu sais, pour un défi ou n'importe quoi. Tu sais, c'est une toile comme ça que j'ai achetée parce que je la trouvais belle et je voulais vraiment la faire. Donc, ça ne me dérange pas d'attendre de recevoir mes diamants là, avant de la commencer. Ça ne me stresse pas. L'envoi a été rapide et tout. Donc, je présume là, aussi que lorsqu'ils vont me renvoyer là, ma couleur manquante, ça ne devrait pas être vraiment long. Donc, sur ce, écoutez, je vous laisse. Et puis, c'est tout pour moi avec vous aujourd'hui. Là, je suis un petit peu en bordel tout le tour. Donc, je vais ramasser mes trucs. Je vais faire mon ménage. Donc, on se dit à demain tout le monde. Bye, bye!